Salut à toutes et à tous, c'est Ganius, j'espère que vous allez bien, on se retrouve enfin pour une nouvelle conquête Pokémon. Il n'y en a pas eu depuis 2-3 semaines, j'en suis désolé, mais je vous ramène un adversaire de taille cette fois-ci pour ce samedi, c'est Newtiteuf. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, ça va, ça fait super longtemps que j'ai pas joué à Pokémon, qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Grave. Et qu'on n'a pas fait la conquête, donc j'ai hâte. Ça écoute. Fait beaucoup de choses, depuis 2015. Déjà deux c'est ans. C'est vrai, 2015. Ah ouais, ouais, ouais. Oh là là, là ça passe trop vite. C'était sur Rosa. Là, on va finir sur Soleil et Lune parce que dans une semaine, les jeux sortent. Hein. Ultra bah Soleil ouais, et Ultra Lune. C'était pile le bon moment pour y faire. Hein. Voilà, une semaine plus ça. Tard, ça aurait été trop tard. Et du coup, donc je t'ai expliqué les règles en off. Vous les connaissez. Il y a juste le Joker Tocopisco que j'ai remis où il faut chanter un générique de Pokémon. Alors on a le droit d'utiliser les paroles, de chercher les paroles. Il y a pas de souci, c'est juste pour le mais fun. Mais alors tu dois imposer le générique de Pokémon ou tu dis juste chante un générique de Pokémon? Non, c'est l'autre qui choisit quand même parce que s'il y en a un qui connaît pas du tout. Après. Ok. Mais comme tu veux. Moi je les connais. Bah. Sauf non mais en vrai je les connais quasiment tous sauf peut-être les deux dernières générations mais sinon je connais. Ok, bah à la limite on pourrait imposer, ouais. Ok, toi comme moi ça pourrait être marrant. Ok. Du coup voilà, et puis également le Joker donc où il y avait le Maconieur là avant, donc c'était le Tocorico. On a mis marché pendant une minute, on est revenu. Tocopillon, toujours le stop, et puis Tocotoro, toujours le Tauros. Au bout de 15 minutes environ de vidéo, bon je préviendrai une minute avant, il faudra rencontrer un Pokémon physique dans le jeu pour la première partie et la deuxième partie. Et puis il y a le Joker Dracaufeu, s'il y a 4 points d'écart qu'on pourra utiliser pour voler directement dans la zone. Ok. Utiliser une fois évidemment. Du coup, alors j'ai 5 boosters sous les yeux. Yes. J'ai le booster, donc c'est Soleil et Lune édition 1, enfin la première série. Alors, okay. Félinferno, Lunala, Solgaleo, Archiduc et puis Oratoria, qu'est-ce que tu aimerais qu'on ouvre? Allez, prends Archiduc. Allez, Archiduc. C'est parti. Et du coup, tu sais quel starter tu prendrais dans Ultra Soleil et Ultra Lune? Bah, de toute façon, il n'y a que deux starters, hein, écoute, dans Pokémon Soleil et Lune. Hein. Donc, vu que j'ai pris le type feu la dernière fois, bah, cette fois, je prendrai justement. Le type eau. Non! Y'a pas de type eau. C'est celui que j'ai pris, quoi. Non mais voilà, cette fois on va partir sur type plante. On va voir comment ça ira pendant l'aventure. Ouais. Ok, ouais, type plante, c'est plutôt pas mal. Yes. Alors voilà, j'ai sélectionné les 5 cartes. Bon, normalement 2 communes, une peu commune, reverse c'est rare, ou ultra rare, j'espère ultra rare d'ailleurs. Ok. Et donc le premier Pokémon va être... Oh non, pas lui, punaise, on l'a fait 40 fois. Bon, alors c'est Croquine. Croquine. Alors, t'arrives à visualiser. Alors attends, déjà j'essaie de visualiser le Pokémon. Je vais regarder. Attends, à quoi il ressemble Croquine? C'est une petite pomme rouge. Ah oui, le. Oui, d'accord. Le Ciribou quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Sorte. Donc Croquine. Tu vois où le trouver ou pas? Alors, non, je sais plus où on le trouve. Non. Alors bon, je vais te le dire parce que je l'ai fait 30 fois. C'est dans la jungle sombrefeuille. La jungle sombrefeuille. où tu avais l'épreuve contre Barbara, je crois, la fille aux cheveux verts. Ah oui, ok. Tu vois ? D'accord, très bien. Je vois. Ok, et par contre, il est dans une zone arriérée, c'est-à-dire que c'est pas dans la zone principale, il faut que tu ailles derrière. Donc ouais. Tu rentres bien au plus profond de la forêt et puis tu vas dans les herbes. Voilà, parce qu'il est pas dans la première zone. Ok. C'est bon ? Ok, d'accord. Allez, bah écoute, je te laisse faire le top. Eh ben écoute, 3, 2, 1, top! Allez, c'est parti! Donc, on court, ça on a le droit. Ouais, on a le droit de courir, encore heureux. Bon, moi, il faudra que je la trouve, cette jungle sombrefeuille. Eh ouais, elle est dans une île. Bon, c'était vers le début du jeu. Ouais, non, mais t'inquiète pas, me dis pas. De toute façon, je vais regarder au pire ma map, hein, et puis on verra à ce moment-là. Hein. Ouais, voilà. De toute façon. Ça veut pas dire que tu vas les trouver en premier si t'arrives en premier dans la zone. Non. Ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est sûr. Après, il est facile à capturer, donc. Ouais. Enfin. Ouais. Alors, j'imagine que c'est ça le bateau pour aller ici. Et où veux-tu te rendre? Ah! Donc, on va dire que c'est pas là. Donc, ça serait. Allez, je vais dire que c'est par là. Allez, on fait le.
Il va arriver au paradis éther. Non, j'ai pas mis, je savais que c'était pas celui-là. Bon, par contre, on peut passer le... L'animation, ah, oui, non. C'est... Quoi? Si t'appuies sur B, tu peux. Mais non. Bah, j'ai appuyé sur B, moi. Alors ça, c'est bien la première fois. Ah bah, écoute, hein. Parce que je suis fort en jeu vidéo. Ah, je crois que je suis sur la bonne île. Oh, punaise. Je crois que je suis sur la bonne île. Je suis choqué. Je savais pas qu'on pouvait passer le bateau. Alors là, tu m'apprends quelque chose. Donc du coup, la jungle sombrefeuille, elle serait là. Jungle sombrefeuille. Attends. Il y a du niveau quand même. Je me souviens un petit peu de... J'ai su que c'était Oale, là. Je sais pas quoi, le nom de la... Ouais, pas mal, ça. T'as vu, hein, pas mal, hein. Ouais. J'avoue bon, que... En vrai, j'ai fait au hasard. Le hasard fait bien les choses, là. Je me demande où tu es. J'ai pas demandé, mais on n'a pas le repousse, hein, on est d'accord. Mais si, je t'avais dit 3 max repousse. Ah, très bien. Oui, ça avait, j'ai oublié de le repréciser. Mais j'en ai sûrement sur moi, donc c'est pas grave. Disons 3, c'est pas si énorme. Si t'en as pas, j'utiliserai pas, ouais. Mais ça, je l'avais enlevé, et puis là, je me suis dit, bah, je vais le remettre. Donc oui, 3 max repousse autorisé pour tous les deux. Ok, je regarde juste si j'en ai, et puis comme ça, je te dis. J'ai des max repousse, ouais. Ouais, j'en ai. Ok, nickel. J'en ai 14, donc... donc c'est bon, tu peux utiliser des max repousses si tu as envie. Allez, j'en utilise. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un dresseur par exemple que je n'ai pas affronté? Tu t'arrêtes et on s'arrête tous les deux, tu me le dis. On s'arrête tous les deux. C'est bon, ça me fait un peu peur, tu vois. Parce que pourtant non, dans mon let's play, j'étais quand même du genre à affronter tous les dresseurs, mais ouais, bon, on sait jamais quoi. Mais on sait jamais, tu sais, j'en ai peut-être laissé un passé ou un truc dans le genre. C'est des choses qui arrivent. Il y en a qui te réaffrontent aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et donc du coup, Croquin, il rapporterait combien de points en soi? Un point? Un point, ouais, c'est une commune. Un point, ok. Ce serait le petit point qui pourrait faire la différence à la fin, on ne sait pas. Ah bah, bien sûr, hein, toujours. Toujours. Et donc du coup, là, la jungle sombrefeuille, elle est par... Alors, je vais regarder encore la map. Alors, elle est... Ah bah, je suis sur le bon chemin. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. C'est une bonne nouvelle, ouais. C'est une bonne nouvelle, là. Ouais, donc ouais, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué au jeu, hein. J'y ai pas retouché depuis janvier dernier, hein, je crois. Ah ouais? Janvier, février, hein. Bah ouais, hein. Ouais, j'y ai pas retouché, hein, moi. Une fois que j'ai fait le défi sur Lune. C'est ça, j'avais fait le défi, après le défi, bah j'y ai pas retouché, hein. Enfin si, j'y ai retouché là pour Japan Expo, oui. Pas pour Japan Expo, pour Paris Games Week, pour faire des combats, mais... mais et encore, là-bas, j'avais du mal, hein. Mais ça aide. Et ouais. Bon, je veux pas t'affoler, mais il est devant moi là, donc. Quoi? Mais t'as pris un raccourci? Et c'est bon, je l'ai capturé. Mais mec, comment t'as fait? Moi, je suis au ranch. Ah, mais il fallait pas passer par le ranch. Eh ben voilà, mais aussi. T'es passé par où, juste pour savoir? Alors, je suis passé en bas de. Où il y a le centre Pokémon de Oale là. Bah, tu vas tout en à droite, tu suis la route. Et à un moment, tu remontes et t'arrives au Dôme Royal. Ah, passes, attends. J'avoue que j'ai fait plusieurs fois l'erreur aussi. Ah mais oui, parce que je suis passé par. Ah mais oui, je suis. Ah bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins t'es peut-être plus près de la zone d'après. ou pas. Ou pas. Parce que si c'est encore un croquine, hein. Non, pas bon, la deux fois. Du coup. Alors bon, ça fait 1-0 pour l'instant. Oui. Pas bon, grand chose. Bon, tout est encore à faire. Hein. Tout va bien. Puis, de toute façon, hein, moi, mon but c'est que t'aies 4 points de plus que moi pour que je puisse utiliser vol. Hein. Allez, dans 6 minutes d'ailleurs, il y aura le Pokémon à trouver. Ah oui, c'est vrai. Donc, après Croquin, nous allons avoir Topiqueur d'Alola. Ah bah alors là, oui. Là, il y a moyen que tu sois alors, plus proche. Topiqueur d'Alola, il est dans l'espèce de cave Topiqueur. Voilà, exactement. Ah, bah oui, je suis plus proche. Eh oui. Ah, c'est bien ça. Et ça vaut un point également. C'est joli, okay. Je l'avais jamais eu Topiqueur, elle est acier sol. Eh ben écoute, c'est parti, hein. T'es prêt? Fais le décompte, fais le Allez. Décompte. 3, 2, 1, let's go! J'y vais. C'est bien Topiqueur et non pas Trio Piqueur. C'est Topiqueur, ouais. D'Alola, attention, ne capture pas l'autre. D'Alola, ouais. Bah de toute façon, il n'y a pas de Topiqueur. Non, il n'y a pas d'autre. Ouais. D'accord, hein. Oui, non, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Okay, on est d'accord, les 3 max repousses, c'est sur les 2 oui. épisodes. Oui, sur les 2, ouais.
Ok, donc c'est faut les utiliser de manière. Et Topeaker, c'est aussi c'est également une commune. Ouais, c'est une commune. Donc okay, ça rapportera qu'un un point. Ok, donc ça va. Il y a pas il y a pas mort d'homme pour le moment. Je peux. Non. Allez, allez, allez. Hop. Il y a moyen, je suis pas si loin non plus. Hein. Ouais, ouais, bah moi je me tape des Pokémon parce que j'ai pas envie d'utiliser mes max repousse maintenant, tu vois. J'ai envie de les ouais, utiliser ouais. pour un gros Pokémon, donc. Ok, donc du coup là, si je passe par là, là je vais être sur le bon chemin. Voilà. Et là, la cave Topeaker est juste là. Ah non. Non, mais je te fais des petits peurs en fait. Des petites peurs. Non, j'ai un dresseur. Oh, ah, je m'arrête. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Donc, du coup, Nustuff a battu le dresseur. Alors, la cave Topeaker, du coup. Je pense que c'est par là. Ah, tu penses, tu sais pas où elle est? Bah, pour se diriger vers la grotte. Ouais, mais... non, j'avoue. Elle est. Il y avait une ultra chimère dans cette grotte, non? Alors peut-être dans Soleil, dans Lune, ça me dirait. Ah d'accord. Ça à moins que mais il y avait deux zones aussi donc. Ah il y avait deux zones et tu devais choisir dans quelle zone tu. Ouais, mais je crois qu'ils étaient dans les deux. Ok. Il me semble. Ah c'est pas Nosferapti hein, qu'on avait à capturer hein, sur moi. Non. Alors tu n'es le Topeaker, voilà c'est ça. Bon j'y suis aussi. Eh arrête. Là ça va jouer à pas grand chose. Ah je viens de trouver Titeuf là. Non! Vraiment, t'as Topeaker devant toi là? Oui. Mais non, mais c'est pas juste. J'y étais avant toi. Attends, je l'ai pas capturé encore. Ah ouais, il va rentrer direct. Ah non, il est sorti direct. Il est sorti direct? Ouais. Putain, moi j'ai encore un Nosferapti. T'es sûr qu'il y a des Topeaker dans Soleil? Ouais, je pense, hein. Sinon, c'est pas de chance. Tu joues sur quoi? Tu joues sur une 3DS classique? Ouais, sur 3DS classique, okay, Lune. Sinon j'allais te dire ouais mais ta 3DS elle est plus rapide. Ah oui j'aurais pu rajouter le truc. Non je suis... c'est pas ma console à clé ça. Ah généralement quand les gens ne parlent pas c'est encore des Nosferapti quoi. Ah ouais. Toujours. Moi je fais moi je en fait je shiny hunt le Nosferapti là. Pour le moment. Il a appelé un autre Nosferapti. Non. Peut-être t'arrives pas à le capturer là. Non. Mais tiens, full vie, c'est chaud hein. Ouais, non, j'avoue hein, j'avoue. Bah tant mieux hein. Enfin. Ah non. Jusqu'à que je capture. Allez. Bah, c'est pas c'est capturé. Mais non, encore Nosferapti. J'en ai eu 4 à la suite. Ah, question pour un champion. C'est ouais, carrément plus ça. Oh là là. Bon, du coup, je l'ai capturé. Mais non. Vas-y, je veux juste voir si j'arrivais à en avoir un. Vas-y, là, vas-y. Jean, est-ce que c'était lui? On va voir. Non, parce que là, j'ai fait 4 rencontres, 4 Nosferapti. J'ai eu beaucoup de chance. Quoi. Non, mais les premiers Pokémon que j'ai eu, c'était ceux qu'il fallait chercher. Donc j'ai eu énormément de chance. Là. C'est ça. Alors, celui-là, c'était. Tu vas voir ce que ça va être un Topeaker. Non, c'est encore un Nosferapti. Tu vois, moi, je te dis, il y a un truc dans ma version. Je pense. Bon. Du coup, bon, bah, du coup peut... ça fait 2. Ouais, ça fait 2-0. Et alors, bah tiens, dans 30 secondes, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que au top de la carte, il faudra trouver le Pokémon physique dans le jeu. Au top de la carte. Ok, bah, en gros, d'accord. Quand. Voilà. Donc, avant de trouver le Pokémon, enfin, avant d'aller capturer le Pokémon, faut trouver un Pokémon. Voilà. Si ou tu alors, tu peux direct aller vers le Pokémon. Voilà. Bah, ouais. Mais après, okay, c'est le premier qui trouve qui gagne le point. Donc, voilà, c'est ça. À très toi bien. De voir. Okay. Donc, ensuite, après Topeaker de Alola, nous allons avoir. Oh! Une énergie. Oh, une énergie multicolore. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, j'en ai aucune idée. On va regarder. Énergie multicolore, c'est un Pokémon de n'importe quel type. C'est probable. Hein. Attends, on va voir. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est numéro 137 dans la liste. Et numéro 137. Attraper deux Pokémon avec une faiblesse en commun. Je me suis amusé. Hein. Mais donc du coup, ça doit être deux Pokémon différents. Ah, attraper de Pokémon avec une faiblesse en commun. Et ouais, parce que les genre deux Topeaker, c'est bon par exemple. Ouais. Mais donc du coup deux Pokémon différents avec Allez, une deux faiblesse Pokémon en commun. Différents, ouais. Allez, deux Pokémon différents avec une faiblesse en commun. Ouf. OK. OK. Et là, je suis en train de me demander est-ce que je reste dans le tunnel Topeaker ou pas. Et ouais, mais moi j'en ai aucune idée.
C'est bon, je me suis décidé. Tu es prêt? Allez, je suis prêt. Allez, vas-y, fais le top. 3, 2, 1, top. Allez, go, go, go. Ouh. Alors, par contre, je sais pas du tout où est-ce que je vais. Mais c'est vrai que... Je pense qu'en soi, je peux... Ah bon, toi, tu vas pour le Pokémon, là, j'imagine. Ah bah, c'est un point, ça vaut le coup. Ouais, c'est un point, ça vaut le coup. Ah, et de Pokémon, t'as le temps, de les capturer. Non, bien sûr, bien sûr. Oh, c'est chaud quand même. Non, mais en fait, je sais. Mais... Juste pour savoir. Ouais. Non, bah non, en fait, du coup, je posais une question bête. Donc non, c'est bon. Rien. Okay, pas de question à poser. Okay. Qu'une faiblesse en commun. Avec une faiblesse en commun, c'est ça. Mais une seule? Non, ils peuvent en avoir plusieurs. Oui, bah une ou plus. Avec au moins une faiblesse en commun, on est d'accord. Voilà, c'est ça, oui. Ok. Allez. C'est bon, j'ai le Mâconnieur. Ah, tu cherchais un Mâconnieur? Donc bah, là, t'as ton point, c'est ça? Eh ouais. Mais pourquoi tu l'as pas fait, toi? Bah parce que moi, je suis en train de... Justement, je prends de l'avance sur le truc. Ah ouais, j'avoue. Tu vois? Bon, après, il y a des... Ah non, il appelle à l'aide. Ah, même en ayant full vie? En étant full en vie? En ayant full vie, oui, ils peuvent. Ils ont un pourcentage de chance. Ouais. Donc avec une faiblesse... Peut-être s'il sent menacer, il appelle à l'aide. Hein. Ah ouais, bien sûr. Juste pour savoir, quelle faiblesse tu vises? Bah écoute, là j'ai un Pokémon devant moi, donc je vais le capturer. Yes. Et je vais viser la faiblesse roche. Ok, moi je vise... Je peux viser deux faiblesses en fait. Ah. Oh, en plus je fais une capture critique. Ah, bien joué. Eh hey, mais il ressort. Ah, il est ressorti. Je peux pas capturer assez. C'est ça. Ah, dommage. Moi je vise soit faiblesse roche, soit faiblesse électrique. Ah. Oui, moi aussi en vrai. Ah, je pense qu'on part un peu sur le même type de Pokémon. Parce que roche c'est pas mal. Parce que sur le vol et sur l'insecte. Et vu qu'il y a beaucoup de vol. Et sur le feu aussi. Et sur le... Ah oui. Tiens, ah, Canimé. Non, il y a qui dans la tunnel. Putain, j'arrive pas à le capturer. Toi non plus, t'arrives pas à le capturer. C'est horrible. Pourtant, c'est Pokémon bidon, hein. 3. Oui. Ah, voilà, bon, le premier. Très bien. Ok. Donc, du coup, il faut trouver. C'est pour combien de points ça, l'énergie? 2 points. 2 points, c'est un peu Pokémon commun. 2 points, forcément. Mmh. Voulez-vous donner un surnom? Non. Que voulez-vous faire? Je peux le laisser au PC, l'envoyer dans une boîte PC, c'est oui, bon. Oui. J'ai pas besoin de l'avoir sur moi, j'étais en mode. Non, t'embête pas. Ok, là. Donc, alors, du coup, là c'est bon pour celui-là. Oh punaise! J'étais pas qu'il me faut. Il me faut soit ça, soit ça. Ça va le faire. On va s'en sortir. Ici, on va forcément trouver un Pokémon qui a cette faiblesse. C'est sûr. Mais. Non, c'est pas sûr en vrai. C'est abusé quoi. Qui rentre pas alors que c'est un Pokémon de. Je sais même pas ce que ça a comme faiblesse ce truc. En effet, j'ai le droit d'aller voir. Oui, vas-y. Mais capture-toi. Ah, ça doit être bon, ça doit avoir une faiblesse en commun. Oui, ça a une faiblesse en commun. Donc maintenant, il me suffit de le capturer. En vrai, j'aurais pu le demander hein, au lieu d'aller chercher. Oh, il ressort direct! Ah, mais tu en as deux déjà, ok. Non, j'en ai un. Là, je suis à mon deuxième. Ouais, voilà, tu. Oui. Putain. Est-ce que j'ai un truc? T'es à ton premier, toi? Ouais, je suis comme au premier, j'ai à peine de le capturer. Ah. Oh putain, je l'avais pas dans le Pokédex! Nosferapti, tu l'avais pas dans le Pokédex? Non, c'est pas Nosferapti. Ah, ok. Il est rentré, non? Non, il est pas rentré, il ressort. Je sais pas si je peux entrer dans la deuxième ici. Ah, c'est chaud. Non, en plus, c'est mieux que tu sois toi. Allez, non. Yes! C'est ah, bon. Bien joué. Donc j'ai Nosferapti. Ouais. Faiblesse roche. Et j'ai Larvibule. Faiblesse roche. Ah putain, pas mal. Voilà. Pas mal. Larvibule, bon. T'as eu. Ok. Parfait. Donc ça me fait 2 points. Ouais, ça fait 3 à 2. Ça fait 3 à 2. Eh hey, c'est pas mal ça. Ouais, c'est et je l'avais pas dans le Pokédex. Et bah écoute, très bien. Larvibule est ajouté au Pokédex. Ah, c'est Larvibule, c'est le deuxième. Oui, le deuxième c'est Larvibule, ouais. D'accord, ok. Faiblesse roche.
Ok. Bon, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie. Ok. C'est un épisode assez court. Ah, du coup, on a utilisé aucun bonus, rien du tout. C'est vrai. Bah, je me suis dit, là, il n'y a pas assez de points pour... Bon, après, on aurait pu utiliser le truc pour chanter ou quoi, hein, c'est pas... Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai. Mais bon, bah, moi, il nous en reste plein pour la deuxième partie. Ok, très bien. Du coup, donc, samedi prochain, retrouvez la deuxième partie sur la chaîne de Nutiteuf ou sur ma chaîne. Yes. À 16h, si tout va bien. Si tout va bien. Et puis toujours en ta compagnie, évidemment. Oui. Et puis on verra si tout va bien. Qui remportera cette bien conquête. Sûr. Donc du coup, il nous reste combien de cartes là? Alors normalement, il nous en reste 2. Ok. 2. Et si on voit que ça c'est trop court, on en rajoutera. Ok, mais t'inquiète pas, je vais te mettre de toute façon des stops, des trucs dans le genre, moi. Mais ouais, c'est vrai. Hein. Bon. Bon allez, à la prochaine pour la conquête. Ciao, ciao. Yes, bye tout le monde.